Abonne-toi. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo Garbolino. Donc, on va vous expliquer comment bien débuter au feeder de manière simple, rapide et efficace, ou se perfectionner pour ceux qui connaissent déjà les principes de base. Donc, aujourd'hui, on va vous expliquer, vous donner les principes de base pour pêcher en rivière lente. Comme il y en a partout en France, vous allez pouvoir facilement, à côté de chez vous, avoir une rivière et faire la même chose qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les bords de Vienne, à Millac, à l'aire de repos de Fouquet. Donc vraiment, le cadre est splendide. Le courant, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il est très, très lent. On va essayer de prendre quelques poissons. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer à pêcher, la première chose, c'est tout simple. On arrive au bord de l'eau. C'est mon premier conseil, c'est mouiller l'amorce. Donc on va mouiller l'amorce. Ça va permettre aux particules de bien s'imprégner, en fait, et d'avoir une amorce qui, pendant la partie de pêche, du coup, sera beaucoup plus homogène que si on ne prend pas le temps de bien la mouiller à l'avance. En fait, l'amorce aura tendance à s'assécher et du coup, elle n'aura plus le même effet mécanique pendant la partie de pêche. Donc, c'est important, vraiment, pensez, en arrivant au bord de l'eau, à mouiller votre amorce. Donc, aujourd'hui, on va faire très simple. On va prendre un kilo de Romain Brême de chez Champions Feed. C'est une amorce claire, idéal pour la saison, donc il travaille pas trop. Il va permettre de sélectionner les jolis poissons. Donc on y va. Donc on peut utiliser une amorce jaune en cette période sans aucun souci. L'hiver, ça serait plus compliqué car les carnassiers et l'eau étant plus claire sont beaucoup plus actifs. Donc une amorce jaune en cette saison sur les plaquettes et les brèmes, c'est parfait. Allez, on mouille tout ça. Donc, une première fois. Il ne faut pas avoir peur à bien surmouiller un petit peu au départ, car l'amorce, elle va beaucoup gonfler. On y reviendra plus tard. Allez, voilà, c'est parfait. On peut former une boule. C'est consistant. Donc, même si c'est vrai que l'amorce peut paraître collante à l'instant T, mais vous allez voir que d'ici une petite demi-heure, elle sera vraiment beaucoup plus sèche et il y aura besoin de la remouiller. Donc faut pas avoir peur en fait à bien faire prendre toutes les particules, qu'elles s'imprègnent bien. Ça permet d'avoir un mélange beaucoup plus homogène. Et vous allez voir d'ici une petite demi-heure, ça sera parfait. Au besoin, on rajoutera même de l'eau. Donc cette première étape étant faite, maintenant nous allons remplir un moulinet et voir le montage que nous allons utiliser aujourd'hui. Bon, alors pour débuter, simplement, on va utiliser aujourd'hui une canne entre 3,30 m et 3,60 m. On va dire c'est ce qu'il y a de plus pratique en fait. C'est ni trop long ni trop court, c'est juste parfait. Une action médium voire light. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de courant, donc aujourd'hui on va utiliser la Supra en 11 pieds, 3,30 m, en 3 brins light. Voilà, donc en fait avec des cannes light, voire medium, c'est beaucoup plus simple, on a le droit à beaucoup plus d'erreurs, du coup on décrochera forcément moins de poissons, on prendra plus de plaisir aussi. Il y a des cannes vraiment typées, beaucoup plus, on va dire, fortes et puissantes.
On verra ça une autre fois sur des pêches plus spécifiques, plutôt à longue distance. Aujourd'hui, on va rester simple. On va prendre tout ce qui est de plus basique, en fait. Un modèle light en 3,30 m. Voilà, c'est vraiment parfait, car on va pêcher entre 20 et 25 mètres aujourd'hui environ. Donc, ça sera très, très bien. Voilà, donc au niveau de la distance, on ne va pas chercher à faire de la distance d'entrée. On va commencer à pêcher 20-25 mètres, à faire ces distances-là bien, de manière précise. Et petit à petit, en fait, on va progresser. On pourra pêcher 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres avec du matériel adapté, voire plus. Donc déjà, faisons simple et faisons les choses comme il faut. Donc après, sur cette canne, on va y rajouter un moulinet entre taille 3000 et 4000 sur une canne de 3 m 30, 3 m 60, ça ira très bien. On ne va pas chercher des gros moulinets pour pêcher court. Donc ce moulinet, on va le remplir de nylon pour commencer. On va éviter la tresse, on va éviter toutes ces choses-là. C'est plus technique. On va donc au niveau du nylon. On a le Match Feeder Sinking qui est un très bon nylon, il coule facilement, il a une bonne réserve d'élasticité, il est résistant aux nœuds. On l'a en diamètre 22, 25 et 28 centièmes. Donc aujourd'hui, on ne va pas se prendre la tête, on va prendre le 25 centièmes, c'est l'intermédiaire, c'est parfait. Il est suffisamment résistant et suffisamment fin pour pêcher à une distance de 20-25 mètres, voire plus. Inutile d'aller prendre du 28 centièmes qui serait trop grossier ou du 22 centièmes qui est un peu trop fragile en fait quand on débute. Donc voilà, 25 centièmes reste une valeur sûre. Donc voilà, en fait, sur le nylon, je fais tout simplement une boucle, toute simple. J'ouvre le pick-up. Je viens emprisonner la bobine. Alors, il faut faire attention, il y a un sens. L'idéal, c'est de venir... quand on mouline, que ça serre le nœud, tout simplement. Donc là, c'est parti. Hop, je mets ma bobine à la verticale. Et je pince mon fil si elle veut tenir. C'est surtout ça le truc. Une fois que c'est parti, en principe, ça y va. Voilà. Donc, j'exerce une pression, en fait, avec mon pouce et mon index pour bien tendre le fil sur la bobine. Il ne faut pas qu'il soit mou. Sinon, on risquerait d'avoir des problèmes au lancer. Donc voilà, on va mettre 150 mètres de nylon, la bobine complète. Allez, nickel. On reste un tout petit peu, c'est bon. Donc en plus, ce qui est bien aujourd'hui, en fait, c'est que le moulinet il a été étudié pour mettre pile poil la contenance d'un 25 centième. Donc on voit que la bobine est parfaitement garnie, ni trop ni trop peu. Donc voilà, là c'est parfait en fait. Le nylon il remplit bien la bobine, on est à ras, c'est idéal en fait. Ce qui serait pas bon par contre, ça serait si on aurait mis trop de nylon, en fait, on aurait un risque de perruque au lancer. Donc attention à ça. Si le moulinet est trop garni, il peut y avoir des soucis au lancer. Et en revanche, s'il n'est pas assez garni, on va perdre de la distance au lancer. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être juste à ras. Et là, c'est parfait. Tout est optimisé. Une petite astuce importante. Donc voilà, on va passer le fil dans les anneaux, tout simplement. Là, il n'y a rien de sorcier. Donc juste être quand même attentif à bien passer le fil dans l'anneau et de pas oublier d'anneau. Ça peut arriver quand on veut aller vite. Ah, je crois qu'il manque un bout sur ma canne. Bon, alors sur cette canne au feeder, il va nous falloir mettre un sion. Donc différents sions sont proposés sur le marché aujourd'hui. Des sions en fibre de verre, des sions en carbone. Pour débuter, moi, je vous conseille réellement de mettre un sion en carbone. Ça sera beaucoup plus simple que la fibre. Il sera un peu plus rigide.
En fait, s'il y a du vent, la fibre, elle va bouger dans tous les sens. Vous allez mal déceler les touches, que le carbone, quand il pliera, ça sera une vraie touche, tout simplement. Donc, et le deuxième point qui est important également, avec le carbone, ça modifie moins l'action de la canne et vous allez avoir des lancers en fait beaucoup plus faciles qu'avec l'action en fibre qui serait plus mou, qui pourrait dénaturer en fait l'action de la canne. Donc restez sur du carbone. Donc une petite règle simple qui existe en fait, c'est souvent on dit un ose pour un feeder de 30 grammes. Donc aujourd'hui la rivière elle n'a pas de courant. Moi je vais partir sur un sillon carbone de 1/2 ose pour utiliser des feeders environ de 20 grammes, ça ira très bien. Voilà, de toute façon sur des cannes light on ne montera pas des sillons très très forts. On restera aux alentours de 1/2 ose à 1 ose, mais on n'ira pas guère au-dessus. Il n'y aurait pas d'intérêt. Si on veut utiliser des sillons plus fortes, on utilisera forcément une canne plus forte. Mais on peut, ça reste aléatoire en fonction du type de pêche et des poissons rencontrés, de leur appétit. Donc voilà, en fait, on voit aussi clairement la fibre et le carbone sur l'embase du sillon. Bah, soit elle est blanche, soit elle est noire, comme le carbone. Donc au niveau de la souplesse, la fibre, elle est ultra souple. Le carbone, forcément, il sera plus rigide, mais il reste très résistant quand même. Donc à puissance égale, on voit bien que la pointe en carbone qui est dessus est beaucoup plus rigide que la pointe en fibre de verre qui, elle, est plus souple. Donc aujourd'hui, pour le montage, on va utiliser 3 accessoires. On va commencer par des agrafes à feeder, toutes simples. Des stop flottes en taille S ou M. Et des petites accroches rapides pour pouvoir changer de bas de ligne rapidement, tout simplement. Voilà. Donc pour commencer, en fait, je prends tout simplement mon agrafe à feeder. Je la passe sur le nylon, voilà, c'est bien libre, ça coulisse bien. Dans un deuxième temps, un petit stop. Donc on passe juste le fil dedans, on tire, hop, donc voilà. Et troisième étape, l'attache rapide pour le bas de ligne. Donc une attache rapide, en fait, c'est un émerillon, on va dire, amélioré, tout simplement, qui va permettre de changer le bas de ligne facilement, car il a une petite partie en caoutchouc qui va permettre de venir bloquer son bas de ligne dedans et de changer en un instant. Donc après, une fois que j'ai mon attache rapide pour le bas de ligne, je viens faire une vrille. Donc tout simplement, en fait, je vrille le fil dans mes doigts en sens opposé. Et ça forme une torsade. Une fois que cette torsade elle est faite, je vais faire 7, 8, 10 cm. Moi j'aime bien les torsades de, ouais, on va dire 8 cm. En fait, l'objectif de la torsade, c'est vraiment de créer un angle, on vous montrera tout à l'heure, mais que cette partie-là soit juste en dessous du feeder. Donc en fait, ça va servir d'anti-emmêleur, cette partie torsadée. Donc pour finir cette torsade, je vais faire très très simple, 3 nœuds simples en fait qui se suivent, 1, 2 et 3. Hop, j'humidifie un petit peu mon nœud et je viens serrer, clac, voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends mon stop, je l'emmène en butée contre le nœud, légèrement sur le nœud. Donc le stop, il va même masquer le nœud en fait. Et là, je viens couper le brin de nylon qui dépasse. Et mon montage est terminé. Donc si, petite précision que je voulais vous montrer par rapport à la torsade, en fait, en accrochant le feeder, il faut bien que la partie terminale de la partie torsadée dépasse le feeder. Donc là, c'est un petit feeder compact, il n'y a pas de souci. Par contre, si je prends un feeder qui a un système de fixation différente, on voit qu'on devient en fait à la limite. On est toujours bon, mais il faudrait pas plus. Donc ça, c'est important en fait pour pas emmêler lors des lancers.
Donc on a le système d'anti-tank qui est fait, ça coulisse parfaitement, on est prêt à pêcher. Il faut juste mettre un bas de ligne. Donc voilà, en fait, la simplicité, elle rime souvent avec l'efficacité. Donc s'il y a un montage à retenir, c'est celui-là. Il est vraiment simple, passe partout. Vous allez pouvoir pêcher en rivière, en étang, tout type de poisson. Restez simple, plus c'est simple, moins vous avez d'emmêlage. Et plus vous prendrez de poissons. Le montage, il est fait. Donc maintenant, on va sonder. Mais avant de sonder, je vais juste vous présenter l'installation. En fait, elle est très, très simple aujourd'hui pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de sortir une station 36 dessertes et plein d'accessoires. On peut se faire plaisir simplement. Juste avec un petit panier tout simple, une bourriche si on veut garder les poissons, une petite desserte là que j'ai sur ma gauche, et un bras feeder, voilà, terminé. Et on peut pêcher, tout simplement. Donc on va sonder maintenant. Donc tout simplement, j'ai utilisé un feeder de 25 grammes. Je pourrais utiliser plus léger ou un plomb, ça serait même l'idéal. Mais bon, on va faire dans la simplicité. Le tout, c'est d'essayer de visualiser la topographie du fond, en fait, pour savoir où on veut pêcher, où on veut construire son coup. Donc on va voir, on va sonder. Et on va essayer de trouver un fond qui correspond. Donc l'idéal, c'est quand même de trouver l'endroit le plus profond en ce moment. Donc en fait, la manière de procéder pour sonder, simplement, il suffit juste de compter l'instant où le feeder il touche l'eau jusqu'à ce qu'il aille au fond. Donc on va faire cette étape plusieurs fois à plusieurs distances. Donc j'ai commencé à lancer à 10 mètres. J'ai compté en secondes le nombre de secondes que le feeder met à aller au fond. À 15 mètres, à 20 mètres, et en fait ça va me donner une idée, même approximatif, du relief du fond. Voilà, s'il y a une cassure, si après par exemple à 30 mètres c'est plat, 40 mètres, on va voir ça ensemble, venez. Donc 1 2 3 donc effectivement au bord il n'y a pas beaucoup d'eau et en plus il y a des herbes. Donc, on va aller voir un peu plus loin. 1, 2, 3, hop, 3, toujours. Un peu plus d'herbe. Allez, un petit 15 mètres. 1, 2, 3, 4, on est à 4 secondes. Mètres, 2, 3, 4, 5, 5 secondes. Mètres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presque. On va essayer de voir à 25 mètres. Oui. C'est clair. Donc, environ à 25 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 secondes. On va aller voir à 30 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 secondes toujours. Donc on a l'impression qu'on tombe sur du plat. On va lancer à 35 mètres pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Donc on est sur un fond plat. Donc on s'aperçoit bien qu'on a une cassure
qui est plus proche, située autour de 20 mètres environ. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Idéalement, ça serait bien de pêcher juste derrière la cassure, mais peut-être qu'on va décrocher des poissons aussi. Donc le petit conseil, je dirais, c'est de s'éloigner un tout petit peu, peut-être de 2 mètres. On va sonder, on va voir. On va essayer d'affiner tout ça. Donc là, je vais clipper mon moulinet une première fois. Je vais regarder ce que ça donne. On va compter les secondes ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 secondes. Ce que je vais faire, trois tours de moulinet et on va relancer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 7 secondes. Donc on a 2 secondes d'écart sur à peu près 2 mètres. Donc c'est quand même une cassure qui est assez prononcée. J'ai relancé un coup pour bien m'assurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 secondes toujours. Je redéclipse. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secondes. On va aller voir maintenant 2 mètres derrière. Allez. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On a une pente qui est beaucoup plus douce. Donc là, je pense que ça me paraît pas mal. On va faire deux, trois tirettes pour voir s'il n'y a pas d'accro. Ok. Donc. Et des black bass. 9, 10. Donc, là, ce que je vais faire, en fait, je vais juste faire glisser mon feeder sur le fond pour voir si le fond, il est plutôt dur, mou, s'il y a des herbes, s'il est vaseux. Donc là, il a quand même l'air de glisser de manière assez facile. Donc le fond est plutôt dur, plutôt propre. Je pense que c'est une zone propice pour prendre des poissons. Alors, quand on parle de fond, il faut savoir que les poissons, souvent, ils n'aiment pas trop être sur les fonds vaseux, ils préfèrent plutôt un fond avec des petits graviers qui va avoir de la nourriture. Et on va également pouvoir pêcher plus facilement dessus. Donc si je devrais choisir un fond, ça serait plutôt un fond dur qu'un fond mou. En fait, il est bien supérieur. Donc ok, donc alors, maintenant qu'on a trouvé la bonne distance de pêche, juste par précaution, on va mesurer notre distance de pêche. Donc on ne sait jamais, ça peut arriver de casser, d'avoir un souci.
J'ai qu'une canne, donc aujourd'hui, si j'ai un souci, je veux savoir la distance à laquelle je pêche. Donc pour ça, j'ai mis deux piquets espacés de 4 mètres et on va mesurer la distance. Donc je mets mon feeder sur le premier piquet. Hop, c'est parti. Donc 4, 8, 12, 16, 20, 24, un peu plus de 24 mètres au sion. Donc si on veut vraiment être précis, on va pas se compliquer la vie. Il y a un petit caillou ici. Hop, je vais mettre le caillou au niveau du sion. Impeccable. Ma distance, en fait, sur le moulinet, il y avait le link clip. Pour être toujours à la même distance, c'est cet accessoire-ci qui va permettre de lancer toujours à la même distance. Donc, je suis bien clippé dans mon link clip, j'ai ma distance et ça va me permettre de pêcher de manière très précise. Il faudra juste prendre un repère en face pour toujours lancer dans la même direction. Voilà, on rembobine. Donc voilà, selon moi en fait, plus on va être précis, plus on va concentrer notre amorce et nos zèches sur un point donné, plus on aura des touches rapidement et moins on attendra les touches donc, et forcément on fera plus de poissons. D'où l'intérêt d'essayer de toujours pêcher le plus précis possible. Ok, donc nous voilà de retour. Enfin le matériel est prêt. Donc maintenant on constate que l'amorce a bien séché depuis tout à l'heure. On va la remouiller un petit peu et on va la tamiser parce qu'il y a quand même quelques grumeaux en fait. Au batteur il y en aurait moins, mais bon, pour mouiller un kilo d'amorce on va faire simple. Allez, là c'est pas mal. Hop. Voilà, alors ça prend pas longtemps de tamiser l'amorce, mais au moins ça permet d'avoir un mélange bien homogène qui va bien sortir du feeder et pas des grumeaux qui auraient tendance à rester accrochés dedans. C'est vraiment une étape importante, surtout si on le fait, si on mouille l'amorce à la main. Allez, voilà, ça permet d'avoir un mélange beaucoup plus souple qui va se dissoudre de manière homogène au fond de l'eau. Voilà, donc au niveau du choix des feeders, ça va être très simple. Je vais prendre un feeder d'un volume, on va dire, large pour amorcer. Et puis deux feeders, on va dire plutôt médium en fait, dont un avec la particularité qui est presque fermé pour amener des appâts sur le fond. Celui-ci aussi, mais avec un peu plus d'ouverture. Et après, deux feeders tout simplement 25 et 35 grammes métalliques, tout simple, tout ce qu'il y a de plus courant dans le commerce. Donc petit volume, parce qu'on va quand même faire une pêche assez rythmée, on va lancer. Donc le but, c'est en fait de créer une compétition alimentaire pour attraper les poissons. Donc après, par rapport au feeder, en fait, on parle des fois de 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles ou plus. Donc effectivement, voilà, feeder 3 mailles, un feeder de 4 mailles et peut-être même un 5 mailles ici. Voilà. Mailles, en fait ça va permettre vraiment de s'adapter à l'alimentation des poissons, s'il faut leur donner à manger ou pas selon les conditions du jour. Donc voilà, l'amorce elle est prête, je vais en mettre la moitié de la préparation dans un petit bac, ça va suffire. Et aussi tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, c'est je garde toujours un petit peu d'amorce sèche, un fond de paquet en fait, au cas où que l'amorce se surmouille. Ça permet toujours de modifier de nouveau l'amorce et de la rassécher un petit peu. Voilà, c'est tout simple, mais ça peut souvent sauver la mise. Le moment d'amorcer est venu. Donc, pour débuter cette partie de pêche, j'ai utilisé le feeder large. Je vais mettre 5 feeders avec quelques pinkies et gozer, tout simplement. Allez, c'est parti.
Donc, comme d'habitude, on prend un repère en face pour rester bien précis. Quelques Pinky Mother toujours. Pas trop serrer l'amorce dans le feeder pour qu'elle sorte assez rapidement. Donc en fait, le but à l'amorçage de départ, c'est vraiment d'attirer les poissons sur le cou rapidement. Donc ça sert à rien de serrer trop l'amorce, ni de mettre trop d'appât. Donc le but, c'est juste de créer un petit tapis d'amorce pour les attirer. Dès que le feeder touche le fond, on ferre, on ramène. Hop là. Allez, le dernier feeder, on va le faire encore moins serré, histoire d'appeler vraiment les poissons dans la couche d'eau. Ça s'entend aussi au bruit, c'est pas le même bruit qu'un feeder qui est serré, fait un bruit plus sourd qu'un feeder qui est juste serré, va plutôt splatcher. Donc ça y est, l'amorçage est terminé. J'ai changé de feeder et mettre un bas de ligne. Allez, c'est parti. On va mettre un petit feeder de 25 grammes. Et en bas de ligne. On va mettre un hameçon 23-10 en numéro 14 sur 12 centièmes d'une longueur de 50 cm. On va commencer avec ce bas de ligne là car pêcher plus fin, ça peut être dangereux, surtout en début de partie de pêche. Le 12 centièmes permet de passer partout. Après, si la pêche s'avère plutôt compliquée, on mettra un bas de ligne plus fin. On va voir. On va mettre deux gauzeurs pour le début de pêche. Voilà. Avec Pinky, deux gauzeurs. On va mettre quelques Pinky et gauzeurs légèrement mélangés. On va venir mettre les appâts au milieu du feeder et prendre un peu de farine et comprimer autour dans la main. Voilà, donc là on est prêt à lancer. Tac. Donc mon feeder touche l'eau, je noie aussi mon sion, ça permet vraiment de couler mon nylon directement et d'être en pêche plus rapidement.
Alors, on essaye toujours de mettre la ligne la plus droite possible avec une bonne tension pour avoir une bonne détection de touche. Si le nylon ferait un ventre, on aurait une détection de touche beaucoup moins bonne que si tout est bien aligné. On va bien laisser partir, voilà. Poisson. Alors on voit qu'avec le nylon, plus l'action de la canne, tout est vraiment amorti en douceur. Alors c'est quoi ce premier poisson? Un carassin, un mini carassin. Ben, on vient d'avoir deux touches, donc là, premier poisson pris, un petit carassin, donc il fait 80-100 grammes. Il aurait très bien pu faire 500 grammes. Donc ce poisson, il a mordu en fait avec deux gauzeurs, tout simplement. Donc là, on recharge. Magnifique. Allez, c'est reparti. Donc toujours, on reste précis, on s'applique pour toujours lancer dans la même zone. J'ai volontairement surélevé un petit peu la canne et non pas à ras de l'eau, car ici on a une petite bande sur 7-8 mètres où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ça serait idiot en fait de mettre la canne à ras l'eau, vu qu'il y a quelques herbes. Plus la cassure, on aurait une mauvaise détection des touches. Au contraire, vaut mieux surélever la canne sans aller dans l'excès. Essayer de trouver un bon compromis entre le vent et plus la cassure. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais s'il y aurait du vent, il ne faudrait pas lever trop non plus.
Alors visiblement, c'est vraiment des petites plaquettes. On relance. On va continuer avec un terreau quand même. Essayer de sélectionner un petit peu la taille des poissons. Donc voilà, mon feeder vient de toucher l'eau. Je tends ma bannière comme il faut. Je pose ma canne tranquillement sur le support. Donc en fait, là, c'est vraiment très, très simpliste. J'ai un petit bras ici, très court. Une petite tablette avec le strict minimum. L'amorce, les éches. Une petite serviette pour me laver les mains. La bourriche, l'épuisette. De quoi être opérationnel et fonctionnel, en fait, tout simplement. En fait, à l'époque, beaucoup de pêcheurs au feeder avaient tendance à vraiment mettre leur canne sur le côté, même s'installer parallèlement à la berge, en fait. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu un peu, plus technique. L'idéal, c'est vraiment de positionner son panier, son assise face au lieu de pêche. Même dans l'axe où on va pêcher, c'est l'idéal. Avec une canne, je dirais à 45 degrés, ça permet d'avoir un ferrage, surtout au nylon. Le temps de prendre contact, en fait, l'élasticité, on aura vraiment contact au poisson quand on sera à 90 degrés. Donc si la canne est trop droite, on n'aurait pas une très bonne perception des touches. Mais en revanche, si elle serait trop en arrière, on aurait une bonne perception des touches, mais pas forcément un ferrage très efficace. Donc l'idéal, c'est de trouver un bon compromis. Après, également, on peut jouer sur sa hauteur. Donc ça aussi, c'est important. S'il y a du courant ou pas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc on peut vraiment abaisser la canne. Par contre, on a une cassure. Avec sur 4-5 mètres, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc si je mettrais mon sion trop à ras-l'eau, en fait, j'aurais vraiment pas une bonne perception des touches. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai monté un petit peu la canne. Il n'y a pas de vent pour l'instant, donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Je pense qu'on va affiner un petit peu. Il y a l'air d'avoir quelques poissons sur le coup, mais c'est pas la grande folie. On va affiner un petit peu et peut-être allonger le bas de ligne. On va voir ça. Alors, ce qui est pratique avec ce système, c'est que vraiment pour changer de bas de ligne, ça met 2 secondes. Donc on ouvre la tâche. Je peux mettre mon bas de ligne sur un côté, dans une boîte sur une extrémité. Hop. Allez, on va affiner un petit peu. On va passer sur un hameçon 22-20 numéro 16 en 10 centièmes. Donc avec le système de changement rapide pour le bas de ligne, c'est très simple. En 2 secondes, c'est fait. Tac. La petite partie en caoutchouc vient recouvrir la tâche. Le bas de ligne est verrouillé, sécurisé. Donc, on va mettre un gozer. Hop. Et on va voir si on a plus de touches. Ah, il y a une touche, une nouvelle touche, hop, direct. Donc voilà, ce qui est vraiment cool, en fait, avec une canne d'action parabolique et du nylon, on peut vraiment descendre en diamètre de bas de ligne et d'hameçon, et du coup directement on a plus de touches. C'est flagrant. Un lancer, une touche directe. On va voir si ça continue. Yes.
qu'en fait, je me lève là, juste pour faire passer la cassure au poisson plus facilement. Ça permet de gagner un peu de hauteur. Allez, c'est décroché dans la musette. Petite plaquette. Allez, on va remettre un gauzeur. Donc toujours une petite astuce, c'est mettre son éche, préparer ce qu'on veut mettre dans son feeder en fait. Ça évite d'avoir les mains pleines d'amorces. Donc voilà, une fois que c'est éché, au niveau du lancer, donc l'idéal c'est d'avoir en fait son feeder à 2/3 de la canne, donc au niveau de cet emmanchement là, tout simplement. On va permettre de bien exploiter le nerf de la canne. On ouvre son pick-up, on recule gentiment et tout doucement, on lance. On accompagne. Voilà. Voilà. C'est vraiment agréable avec le nylon plus la canne parabolique. Tout est bien amorti. Voilà. Allez, viens, cocotte. Le poisson grossisse un peu, donc c'est plutôt cool. Si ça veut bien se passer, on repassera peut-être sur le 12 centième. Une belle plaquette. Allez. Je viens de décrocher mon poisson, donc on repart à zéro. Je mets mon feeder dans le bac à amorce, hop, je viens prendre un gauzeur, je l'accroche, hop, je mets quelques pinkies dans l'amorce, 2-3 gauzeurs, je mélange, je comprime tout ça. Mon feeder est chargé, mon hameçon est éché. Je mouline un tour et demi, 2 tours de mouliné en fait. Donc en faisant ça, mon feeder, il se retrouve environ à 2/3 de la canne en partant du haut. Donc en gros vers le premier emmanchement. Donc là je lâche. Donc en étant comme ça en fait, je trouve que c'est plus facile pour gagner du temps. Ça évite aussi de venir mettre le feeder au bout du sion d'où l'action serait cassée. Là la charge est mieux répartie. Donc après, je prends mon pick-up, je l'ouvre, je recule ma canne très doucement avec le feeder au-dessus de ma tête. Une fois que je suis derrière, je sens que c'est stabilisé. Je lance la charge vers l'avant et j'amortis le feeder à l'aide du link clip et l'action de la canne en mettant la canne sur le côté. Allez, c'est reparti.
sérieux. Voilà, je ramène mon poisson. Une fois qu'il arrive au bord, j'abaisse un peu la canne. Hop. Donc, voilà. Une plaquette. Donc, une petite plaquette supplémentaire. Direction la bourriche. Allez, on va rechanger le bas de ligne. Là, les touches commencent à être bien nombreuses. Donc, on va repasser sur du 12 centième et l'hameçon de 14. On verra si vraiment c'est trop gros ou pas. En tout cas, dès qu'on a affiné, le changement, il a été direct. Donc après, c'était le début de partie de pêche aussi. Il ne faut pas s'enflammer. Peut-être que les poissons ont mis un peu de temps à rentrer. Donc, ce qu'on va voir, ça va le confirmer sur ce lancer. En plus, je crois que j'ai... Ouais, le poisson y est, mais là, le poisson. On va mettre un feeder un peu plus lourd pour accentuer la visibilité des touches. Ouais, donc les poissons, ils se sont installés. C'est ça. Je vais remettre mon bas de ligne de départ, un hameçon de 14 sur du 12 centième, alors que tout à l'heure on était en 16 sur 10 centième. Les poissons ont l'air de bien rentrer, on va voir. C'est vrai que mon hameçon était peut-être un peu fort pour le début de pêche, mais on ne sait jamais s'il y a un beau poisson qui arrive, vaut mieux l'assurer. Là, les touches sont vraiment régulières sur l'hameçon de 16 en 10 centième. On va voir ce que ça donne avec cet hameçon-là. 14 sur 12 avec deux gauzeurs. Du coup, tout simplement, on va mettre les gauzeurs dans le feeder un peu plus volumineux. Donc voilà, je recharge. J'ai bien une trentaine de pinky et gauzeurs confondus dans mon feeder. Donc le lancer, on y va. On ne se pose pas de questions. Il faut être en confiance et ça se passe bien. On amortit le feeder avant qu'il touche le clip, gentiment. On accompagne la descente. Hop là, une fois que ça touche le fond, on vient tendre sa ligne. Donc voilà, on a toujours des petites indications, des fois avant la touche, des passages dans le fil. Ça sert à rien de ferrer trop brutalement. Gentiment, ça va. Donc avec le 12 centième et le nylon, on peut vraiment ramener les poissons. Y a pas de souci, les petites plaquettes, on peut les emmener au tablier directement. Voilà, nickel. On repart toujours de gauzeur. On leur donne à manger vu qu'ils ont faim, c'est l'été.
Une belle plaquette encore. Allez. Des crochets dans la musette. Allez. Bon, il y a un petit peu de vent qui s'est levé, donc on a bien fait de choisir le sion en carbone. Ça n'empêche pas de voir les touches parce qu'elles sont bien marquées. Par contre, ça atténue quand même les petites rafales de vent, les vaguelettes, tout ça. Donc le carbone, c'est vraiment bien. On a encore une belle touche. Allez, hop, et c'est pendu. Encore un beau poisson. Voilà. Donc là, franchement, en 12 centièmes sur un hameçon de 14, le tout en nylon avec la canne, c'est vraiment très souple, ça amortit bien. C'est que du plaisir. Et voilà. Donc voilà, au niveau de la bouchée, un petit terron gozer, tout simple. Et là par contre, on est repassé sur un feeder ouvert, parce que tout à l'heure, avec le feeder fermé, on avait des touches, mais j'ai l'impression que ça ne faisait pas venir assez de poissons. Donc visiblement, il faut quand même de l'attractivité. Il y a pas mal d'herbiers quand même en bordure, donc des fois ça vient se mettre dedans. En ce qui concerne les touches, donc bien souvent sur cette pêche, si en principe le temps d'attente dépasse rarement une minute, les poissons sont actifs, donc la touche va vraiment très très vite. Il arrivait même tout à l'heure d'avoir des touches dans les 10 secondes. Là, je dirais entre 30 secondes et une minute en moyenne aujourd'hui pour le temps d'attente des touches. Ce sera à peu près la moyenne. Deux gozers, un gozer, un terreau. Faut pas hésiter aussi à varier les éches pour voir si on prend des poissons plus gros, plus petits, plus vite. Faut vraiment s'adapter aux conditions du moment. Il y a un moment, il y avait même quelques ablettes sur le cou avec un ou deux gardons qui se battaient. Et là, visiblement, les poissons dominants, ça reste les plaquettes, avec quelques-unes plus jolies dedans. Donc c'est vraiment celle-là qu'il faut cibler. Des fois, elles mettent un peu plus de temps à mordre, celle-ci. Essayez de trouver un bon compromis dans l'ensemble des touches. Essayer de rater le moins de touches possible.
Il y a pas mal de passages dans le fil quand même. Donc ce qui prouve bien que les poissons sont là. Allez, c'est pendu. Ça va être une jolie plaquette. Pas forcément un poisson énorme, mais un peu plus gros que la moyenne quand même. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc vraiment le nylon, ce qui est bien, c'est que ça amortit tous les coups de tête. Ça c'est génial. Ah voilà, les poissons calibrés. Allez, c'est la dernière. Nickel. Donc voilà, les 2 heures de pêche sont passées. Donc maintenant, on va sortir la bourriche. On va voir ce qu'on a pris. Allez, on y va. Bon ben voilà, le résultat d'une partie de pêche de 2 heures. Donc plein de touches, plein de poissons, une belle bourriche. Notre premier poisson, le carassin. Puis voilà, majoritairement des plaquettes et des brèmes. Donc voilà, en 2 heures de pêche réelle, on fait à peu près 6 kilos de poissons, donc c'est vraiment cool. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à vous expliquer la vidéo et donner des petits conseils, des astuces. Donc je vous promets réellement, sur une journée de pêche aujourd'hui, il y aurait un vrai sac à faire, mais un gros sac. Voilà, on va relâcher tous ces beaux poissons à l'eau. Ils nous ont bien régalé toute la journée. Bon, ben voilà, tout ce beau petit monde, il est reparti. Donc franchement, vraiment, je vous invite à vous mettre à la pêche au feeder avec très peu de choses. 1 kg d'amorce, 1/4 de pinky, 1/4 de gauzeur, quelques éches noyées dans l'eau, tout simplement, 2-3 terreaux. Et 5 cageots feeder. Voilà. Vraiment, il y en a pour tout le monde, du débutant au pêcheur de compétition. Franchement, aller au bord de l'eau, c'est un sport qui est sain. Vous pouvez vous faire plaisir. Certes, il faudra toujours s'adapter. Il y aura des jours plus faciles que d'autres. Les conditions climatiques, l'état de l'eau, la rivière, tout ça est variable. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment faut s'adapter. Se remettre en question souvent. Donc voilà, la pêche au feeder, comme vous avez pu le constater, il n'y a rien de sorcier. Aujourd'hui, tout était simple. Tout le monde peut la pratiquer. Si vous suivez mes conseils, vous allez vraiment faire de belles pêches tout au long de l'année. Donc à très bientôt au bord de l'eau et à bientôt pour de nouvelles vidéos Garbolino.